Pouf YouTube, bienvenue. On se retrouve pour un nouvel épisode sur Far Cry 5. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vous propose un petit épisode pêche. Le dernier épisode, qui était l'épisode 7-6, excusez-moi, est un épisode chasse. Cet épisode 7 sera un épisode pêche. J'ai deux petits coins à vous proposer. Alors, pour commencer, le coin qui est un petit peu plus loin, qui est un coin à esturgeon et de poisson spatule en difficile, et un coin d'ombre à tête plate. Ce qu'on va faire pour commencer, je pense, on va commencer par, pourquoi pas, le petit, le facile. Et après, on ira voir le esturgeon difficile. Et comme véhicule, j'ai un petit quad, vous allez voir. Ça va être très, très, très sympathique. Si j'avais un bateau, on aurait pu y aller en bateau, si j'avais eu un petit bateau. Malheureusement, j'en ai pas. Et au niveau des tarifs pour sortir un bateau, ils sont un petit peu piquants, si vous voyez ce que je veux dire. Un jet ski, c'est 1000, et un bateau où peut-être on peut pêcher, c'est 1150. Après, c'est du verrouillé, puis après, c'est 3000, 3006, etc. Bref, c'est beaucoup trop cher pour moi pour le moment, parce que je débute sur le jeu. Là, il y a un gars qui fait muse avec un jet ski. Voilà. Attendez, je vais peut-être essayer de vous avoir un jet ski. Il est où? Oh yes! Mesdames et messieurs, nous avons un jet ski! Regardez, vous avez vu ma flèche où je l'ai mis? La flèche, elle est là. Génial, génial. Est-ce qu'on échangerait notre... Ouais, on va échanger notre arc contre un fusil d'assaut parce que là... Dans tous les cas, on va aller pêcher. Eh bien, écoutez, on a un jet ski, c'est parfait. Est-ce qu'on peut... Oui, parfait. Voilà, ça va nous permettre d'aller sur les coins à pêche directement. Allez, hop, c'est parti. Petit jet ski des familles. Très sympathique. On va donc aller voir ça. D'ailleurs, ce sera beaucoup mieux pour se balader, pour aller pêcher. Alors... Attendez. Ouh, c'était chaud. On a sauvé un mec. Viens ici, viens ici, viens ici. C'est bon, je t'aide. Monsieur, vous allez bien? J'ai entendu les illuminés parler entre eux. Bon, en même temps, on fait une petite halte. J'ai pas écouté ce que tu disais par contre. D'ailleurs, on a pu un gars. Avant, il y avait un gars qui nous suivait. Il est où? Mais t'es où toi? Bah, c'est vrai? Ils ont dit que John voulait l'avion des rails. Mais Nick a refusé. C'est pas malin de sa part. Attendez. Des petits soucis. La porte au niveau était fermée. Attendez, merde. Il est où? Ah, c'est bon, on a réussi. On a réussi. Oh, j'ai trouvé du lupin. Oh, ok, nice. Bon, vous inquiétez pas, on va aller chasser. C'est juste que... On avait des petites choses à faire avant, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, j'ai l'impression qu'on se fait tirer dessus. Bon, bah allez, bisous. Nous, on va pêcher, les gars. C'est bon. C'est pas tout ça, mais on avait dit qu'on irait pêcher. Et je me disais bien que j'avais un poteau. Allez, viens, frère. Yeah, man. Alors, pour le moment, c'est un gars, mais je pense par la suite, si je veux, ça peut être un chien. Parce que j'ai vu que dans Far Cry, on pouvait avoir un chien comme ami. Alors, le coin pêche est là. Yeah. Regardez ça comme c'est beau. Petite boutique de pêcheurs. Les armes. Alors, j'imagine que ce sera peut-être des cannes à pêche. Ok, nice. Le mec a des armes de collection.
petit piou-piou, un petit pompe. J'ai pas débloqué encore ma fameuse arme. Et là, on peut acheter des cannes à pêche si on veut. Donc moi, j'ai la moins chère, mais si je veux, je peux avoir une canne à pêche naturelle. Et là, j'ai une canne à pêche de base. 800$. Et vous savez quoi, on va se faire plaisir. Voilà, on va se faire plaisir. Comme ça, on a une canne à pêche de milieu de gamme avec ligne assez épaisse et moulinée rapide. Sinon, on avait vraiment un truc de base, de base. Les objets. Les objets, c'est quoi? C'est des grenades, des trucs à lancer, des munitions. Vendre le butin. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai déjà attrapé une truite arc-en-ciel qui est vraiment pas dégueu. En plus, l'animation est vraiment sympa parce qu'on dirait qu'elle a encore en vie. Donc ça, c'est ma petite truite arc-en-ciel. Ça, c'est des plumes qu'on va vendre. Voilà. Allez, hop, je vends tout. Là, c'est une peau de cerf. Alors, c'est marrant parce qu'il nous affiche vraiment le... l'animal. Et là, on a une peau d'antilope. Voilà, donc là, c'est ma petite truite. Hop, on va faire une petite vente rapide. Parfait, voilà. Donc... Tiens, salut. Qu'est-ce qui se passe? Tu me parles, toi? Tu m'as tout l'air d'un pêcheur averti. Ah. Je prêche un converti. C'est vrai, j'avoue, je suis un pêcheur. Faut vraiment être con pour pas en profiter pour pêcher. Qu'est-ce qu'il fait l'autre dans le buisson là? Un moment pour soi dans tout ce bordel. J'avoue, par contre ta voix va pas du tout avec ta tête. Je suis désolé de te dire. C'est important de pas oublier les causes qui méritent qu'on se batte pour elles. Il a raison. À mon avis, les plus gros problèmes de ce monde viennent du fait que la plupart des gens ne réfléchissent pas avant d'agir. Oui, tu veux en venir où, frère? Tous les problèmes avec des armes, tu vois? Enfin. C'est juste mon avis. On va se battre avec des cannes à pêche. Si t'as besoin de matos ou d'appât ou autre, je peux te dépanner. J'adore sa tenue. Ça marche. Allez, laisse-moi pêcher. Mesdames et messieurs, on est parti pour la pêche. Voilà, regardez, c'est en train de venir. Si jamais t'entends des loups... Hop là. Oh, le vilain poisson. Allez, viens ici. Viens ici, viens ici. On va essayer de la ramener. En général, ce qui est cassé se répare. Les gens en gaspillent beaucoup trop. Allez, viens. Allez. La pêche, mesdames et messieurs, dans Far Cry. Est-ce qu'il est gros? Oh! Oh, le beau poisson! Le beau poisson, le beau poisson. Donc, on a réussi à prendre une ombre à tête plate de 13. Oh là, j'ai lancé loin là. Regardez, ça va dessus. Hop. Par contre, c'est vraiment terrifiant quand il saute dessus. Hein. Donc l'autre faisait 13. On va... Ah, attendez. Yes. Est-ce qu'elle fait plus de 13? Elle fait 12. Elle est plus petite que l'autre. Oh, et en face, il y a un truc. Qu'est-ce que c'est? Oh, il y en a plein là-bas. Ok, ok, bon, personnellement, moi, Far Cry 5, je le voyais vraiment comme ça. Je me voyais pas juste jouer pour jouer, je voyais un petit peu tout le côté sympa qu'il pouvait avoir à côté. Hop là. Voilà, un petit peu profiter, passer un bon temps, YouTube, voilà, un petit truc sympa. Là, la pêche. Et après, on ira sur mon coin, où là, c'est difficile, où là, il y a vraiment moyen de prendre des gros poissons. Coin que je connais pas, j'ai jamais essayé encore. Donc écoutez, on va... On va voir ça après ensemble. Allez, viens. Viens voir papa. Yes. Est-ce qu'elle fait plus de 13? Elle fait 11. Ok, bon. Ça n'a été pas foufou. Oh, attendez. Le bon chasseur. Oh, elle est là, elle est... Allez, 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 allez. Il y a le bon pêcheur et le bon chasseur, monsieur. Le bon chasseur, bah, il est passé où? Merde. Monte dessus. Allez, monte. Allez, go. Bon, maintenant, on va aller dans mon petit coin.
petit coin que je vous réserve un petit peu cadeau pour vous. Donc là, il y a du lupin pour ceux qui veulent. On va aller là-bas, un coin à esturgeon difficile. Donc là, normalement, on devrait prendre des gros poissons. Ils sont encore en train de torturer des gens, eux. Non, c'est bon. Allez, go. C'est pas facile de pêcher dans ces conditions, hein. Toujours embêté. Alors... gros poisson, c'est là-bas. On va aller voir ça. Vous me direz ce que vous pensez un petit peu de la pêche. Perso, je trouve ça bon. C'est très arcade, bien évidemment. Mais c'est très, très, très sympa. Hop là. Qu'est-ce qui se passe? T'es pas tout seul, toi? Un homme sage a dit un jour que si... Oh, vous avez vu? En fait, pour info, il y a toujours des cannes près des gars. Donc vous avez juste à venir et puis à prendre la canne de base. Je t'ai pris ton sac à dos, tu t'en fous, j'espère? Pendant que deux bêtes à écailles sont assises sur la rive et discutent du meilleur moyen. Allez, go. Sympa, non? Canne à pêche naturelle. Oh, j'ai de l'alcool. Ah, intéressant. Oh, étrangement dans les brownies, d'accord, de l'origan, c'est de la drogue. Pas mal du tout. Ok. Je vois l'idée. Ok, on peut craver. Bon, allez, go. On va se faire plaisir. Alors là, c'est la grande question. Est-ce que on va ramener des gros poissons? Parce qu'on est dans un coin difficile. Rapproche-toi de tes amis et éloigne-toi de tes ennemis. Oh. Allez, viens ici. Oula, vous voyez la couleur de la ligne? Quand elle devient jaune comme ça, c'est pas bon. Ouh, il est énorme! Faut que ça reste vert, en fait. Et je vous parle du fil, hein. Allez, viens. Voilà, ça va casser. Allez, viens ici. Quelques bleus, rien de grave. Si tu as le temps, viens. Voilà. Ouh, ça change de... ça change de l'autre côté. Allez, viens. Yes! Oh, le monstre! Oh, 96! Punaise! Pour info, celui d'avant faisait 13. Lui, il fait 96. Eh ben, j'ai l'impression qu'on a pris un beau spécimen. On va aller voir ça. Alors... ah oui, alors ça, c'est des talents. Donc, il y a des talents qu'on peut se mettre. J'ai 10 points à utiliser. Qu'est-ce qu'on va se faire? Qu'est-ce qui peut être sympa? Je peux avoir une wingsuit si je veux. Réparation auto, doigt de fée. Le grappin, maîtrise primitive. Maîtrise du corps à corps rapproché, outil de serrurier, retour à l'envoyeur. Fantôme. Sac d'équipement de corps à corps pour tes plus de munitions. Ça, ça peut être sympa. Plus d'objets. Sac de munitions tactiques. Ça, on va le faire parce que ça, c'est genre méga intéressant. Allez, pour les pistolets. Et après, c'est quoi? Poisson, vous pouvez nager, retenir votre souffle. Ou le grappin. Allez, on va faire ça. Voilà, parfait. Alors, au niveau des défis, poisson spatule. Pêcher des poissons spatules, examiner les panneaux routiers, ok, très bien. Bon, bah écoutez, j'ai réussi un petit défi plutôt sympathique. Alors après, je sais pas si... s'il est si énorme que ça ou pas, 96. Bon, voilà, usage, vente au magasin, localisation, empêcheur. Regardez-moi ça comme il est énorme. Ok, donc en fait, un esturgeon poisson spatule, c'est le même poisson. Okay. Je ne savais pas, la modélisation est très 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 jolie. Eh ben écoutez, j'espère vous avoir appris quelque chose dans cet épisode. Il y a des poissons plutôt sympas. Et ça c'est moi d'ailleurs pour information. Habillé en Rambo 6 étant donné que j'avais la possibilité d'avoir ceci. Bon, on va essayer d'en pêcher un autre. 96. Ah
Allez, venez, 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 venez. À l'heure actuelle, John se sert en toute impunité. Allez, hop, donc là on le voit bien, au niveau du fil, là ça va casser. Ok, allez, viens ici. Oh, viens ici. Non. What? Non, 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 non. Oh putain, lui il est gros. Il est gros, mesdames et messieurs. Oh, il est gros. 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 Allez, ramène-le, ramène-le. Yes. 96. Plus de 100, j'espère. Ah merde, 94. Qu'est-ce qui se passe encore? On peut pas pêcher tranquille ici, hein. Attendez, on va aller régler cette histoire. Les poissons se vendent à très bon prix dans les magasins. Ah, c'est quoi ça? Au début, on utilise les armes qu'on... Qu'est-ce qui se passe? Les meilleurs flingues, on les prend après chez les fanatiques. Oh, vous avez vu, il y a une planque. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un loup gris. Je bouge. Merde. Le meilleur moyen d'en gagner, c'est d'aller chasser. Il y a pas mal de gens dans le coin prêts à payer pour de la viande et des pots de bêtes. Ennemi à terre. Les renforts arrivent. Qu'est-ce qui se passe? Mais on est où là? Sauver un civil. Je sais même pas où était le civil. Oh merde, on a tué le chien. C'est peut-être moi d'ailleurs qui ai tué le chien. Ah oui, regardez là-bas, ils ont plaidé en fort. C'est peut-être moi qui ai tué les chiens, j'ai pas fait gaffe. Prends ce qu'il te faut. Ah, c'est qui ça? Il y a un garde-chasse, on dirait. Pas les laisser faire. Bonjour. Je trouve que t'as une tête à aimer la chasse. Oui, en effet. Vu tout ce qui se passe, faut apprendre à survivre par soi-même. C'est fanatique. Oh là, on se fait tirer dessus, non? Quand ils parlaient de leur fin du monde. Mais regarde autour de toi. Ils avaient pas franchement tort. Elle est sympa sa tenue en plus. On peut plus compter sur la justice. Il y a plus personne pour nous protéger. J'avoue. Par nous-mêmes. Et heureusement que je suis là, mesdames et messieurs, parce que hein. Rester en vie et y a pas grand monde pour protéger ici. Ça t'intéresse? Des munitions, du matos. Ouais. Des trucs utiles par les temps qui courent. Et si jamais t'as des pots de bêtes, je te les paierai. Ça m'évitera d'aller les chasser moi-même. Bah écoutez, on aura fait un peu de pêche, un peu de chasse. Réfléchis même pas, avalez tout de suite. D'accord, bon pour information, il y a un camp juste derrière sinon. Hein. Bah alors, les munitions. Voilà, les munitions, ça on est obligé. Et on va vendre le butin. Alors regardez-moi les poissons. Ça, ça vaut 100 et ça, ça vaut 150. Petite vente rapide qui nous rapporte 600$. Alors, qu'est-ce qu'elle vend dans sa boutique, elle? Est-ce qu'elle vend des trucs de pêche ou pas forcément? On a des petites tenues, Watch Dogs, Rainbow Six, Assassin's Creed Origins, Far Cry Primal, Beyond Goon, Les Lapins Crétins. Bon, c'est un jeu Ubisoft, hein, vous l'avez deviné, je pense, d'où les petites références. Nous, on va rester habillé en militaire, je trouve ça plutôt sympathique. Les petits objets, j'en prends 3. Je prends un gilet pare-balles. Et je pense qu'on essaiera toujours de faire ça, d'avoir des trucs à revendre pour se faire un petit peu d'argent. Au niveau des armes, malheureusement, j'ai pas du tout la thune. Il en faut 3600, faudrait vraiment que je passe mon temps à farmer. Truc qu'on pourra faire en live d'ailleurs, pour information. On fera pas mal de live sur le jeu, donc il y aura moyen de se faire des petits plaisirs des familles. Bon allez go, nous on s'éloigne d'ici. Bah écoutez mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, pensez à la liker et à vous abonner. Et n'hésitez pas à regarder en description, il y a le lien Stand Gaming pour précommander le jeu pas trop cher ou pour l'acheter. Et il y a le petit lien de la playlist. Et ça c'est qui? Comment ils peuvent prendre toutes nos affaires? Ah c'est celle qu'on a aidée ça. Il a du mal à marcher, j'espère qu'il lui est rien arrivé. À mon avis il est mort. Allez hop. Petite quête de cueillette. Bon, vous savez quoi, on va se retenter une dernière. Alors, tac, tac, tac. Alors, moi, un truc que j'ai remarqué souvent, c'est que souvent, la première le premier poisson que je pêche, c'est le plus gros. Voilà, ça, c'est un truc que j'ai repéré. Quasiment à chaque fois, le premier que je prends, c'est le plus gros, et après, j'arrive pas à reprendre plus gros. Donc, on va essayer. Aider les gens, c'est une récompense en soi. On va taper là-bas. Venez m'aider, quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe encore? Je suis en train de pêcher. Oh, pas possible, hein. Ah, ça arrive.
Par contre, c'est différent. C'est un truc de 5, mais comment il saute sur la ligne? Allez, viens ici. Oh là! Voilà, donc là, on le voit bien, donc c'est au niveau du fil. Hein. Faut qu'il soit le plus vert possible. LT pour ramener. Non! Oh, fais chier. Bon, c'était pour vous montrer, hein, comme quoi c'est pas... C'est pas non plus sûr à 100% de réussir à faire le poisson. Hein. Allez, hop. Ouais. Celui-là, on le ramène. J'ai l'impression que je peux forcer un peu plus. Et après, à mon avis, plus vous avez... Allez, viens ici. Plus vous avez une bonne canne et plus vous pouvez... Non. Et plus vous pouvez vraiment y aller comme un bourrin, je pense. Allez, viens. Oh là. Et surtout, il faut faire gaffe de pas tomber dans l'eau. Allez, il est devant, là. Yes. Est-ce qu'il fait plus de 100? Oh, 94. Merde, qu'est-ce qui se passe? Mais à qui tu dis ça, toi? Oh, c'est qui, là-bas? Je me déplace. Ah, d'accord. Bon, on va aller faire ça. Comme ça, ce sera fait. C'est quoi qu'ils ont dans le 4x4? Bonjour! T'as pas peur de te salir les mains? T'as quoi là-dedans? Des chiens? C'est un ours, non? J'arrive jamais à chasser avec le fusil à pompe. Hein. Allez! Ça, faut que je le détruise. Ok, on va le détruire. Bon, bah, le fusil à pompe, ça va bien dépanner au final. Allez! Par contre, des fois, la résistance des véhicules, c'est vraiment n'importe quoi. Hein. Tu tires sur qui? Bah, attendez, déjà, on va détruire ce bateau, là. Ah, c'est bon. Ah ouais, ils sont là-bas. Merde. On va se mettre au niveau de la cage. Yes, GG. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui est là-dedans? Oh putain! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, pauvre doudou! Premier arrivé. C'est un loup, je pense. Oh les salauds. Et hop là, donc là c'est leur fameuse gaz, hein. C'est le fameux gaz hyper toxique. On a des... Voilà, vous voyez, hop, dès qu'on s'éloigne de ce gaz. En fait c'est comme ça qu'il mène... Oh regardez, il se fait poursuivre. Oh non, il vient de se faire abattre. Le vendeur s'est fait abattre. Attendez, le vendeur s'est fait abattre, il est où? Oh il est là. Le magasin, enfin le mec qui vend la bouffe, les armes et tout vient de se faire tuer par un loup. Comment on va faire pour survivre nous sur ce jeu sérieusement si toutes les bestioles commencent à bouffer tout le monde? C'est quoi ça? Ah c'est un chien. Bonjour. Coucou toi. On fera tout pour que la mère... Bon attendez, on prend une mission. T'as une tête à aimer la chasse. C'est bien. Tu veux pas me dire directement ce que tu veux? Va chasser et je te paierai les pots de bêtes que tu trouveras. Ah ok, c'est ça. Attends, non, on va voir ce qu'on a.
Oh, c'est une peau de loup, ça vaut 172. Une peau de loup, en prêtant l'oreille, on peut encore entendre hurler, l'entendre hurler sur un sweatshirt quelque part. Bon, allez, on rentre rapide. Comme ça, c'est fait. Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, on se laisse là-dessus pour cet épisode. C'était un super, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve au prochain, bien évidemment. Et n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. Eh bien, écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu, comme tous les autres. Attendez, vraiment extrêmement mauvais, par contre, hein. Ne vous inquiétez pas, un jour on arrivera à les tuer ceux-là. À chaque fois qu'ils arrivent à se barrer, on va y arriver. Bref, on était avec mon poteau Jake Madison. Bisous, chouchou. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à regarder la description. Salut.